Ben, moi j'étais le rédacteur. Voilà. Ben, en fait, je devais poser des questions et écouter les réponses et m'enrichir avec toutes les réponses que j'ai entendues. Moi, c'était pour préparation de tout. Je suis rédacteur en chef aussi. J'ai fait. Il a préparé la question. De poser les questions, d'interviewer l'attaquant du DFCO. Et puis c'est tout. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'était de filmer les joueurs. Préparation, elle a commencé. Le projet s'est mis en place fin décembre. On a demandé l'autorisation à la direction, ça a été accordé. Du coup, il a fallu mettre en pratique. Quelques réunions pour bien gérer qui fait quoi, où, comment, à quelle heure et que tout soit prêt le jour J. Mais sur ces 2-15 jours, c'est vrai qu'ils ont pu voir qu'effectivement, plus on approchait, plus effectivement ça demandait vraiment une réelle organisation, même si c'est un petit truc comme ça qui a duré qu'une heure, ça demande réellement de l'organisation, beaucoup de sécurité et de leur part et de la vôtre. Et oui, effectivement, ils voient l'organisation d'événements avec des personnalités autrement, ils pensaient que c'est bon, on les invite, ils vont venir, etc. Déjà, la plupart, ils n'y croyaient pas. Les DFCE, ils vont dire qu'ils vont venir faire ci, ou ici. Ils sont venus et c'est vrai qu'ils se sont dit « Ah ouais, en fait, ils sont comme ça, ils viennent, ils se déplacent, ils viennent ici au Grésy, c'est un quartier, hein, faut dire la vérité. » Et donc du coup, pour eux, c'est oui, quand ils les ont vus là, qu'ils sont arrivés au compte-gouttes, qu'ils se sont installés un petit peu n'importe où, c'est vrai qu'on voyait dans le regard des jeunes « Ah ouais, en fait, ça fait plaisir, c'est des petites étoiles qui font plaisir. »